Ma question, d'abord, merci pour cette présentation et tous ces exemples. Ma question porte sur l'organisation du temps, sur ce que vous avez présenté, en fait, sur les expériences dans les autres pays. Vous présentez, donc, finalement, des activités hors école sur la journée. Comment se passe l'organisation de la journée dans ces pays entre les différents temps? Ici, en France, et tout l'intérêt du travail que l'on fait au travers de la charte avec justement le travail en collaboration avec l'ensemble des partenaires sur les différents temps. En France, on a du temps périscolaire, du temps scolaire, du temps périscolaire, du temps scolaire. On revient sur du temps périscolaire le soir. Donc avec une organisation dans la journée complexe, parce qu'on passe d'un temps institutionnel à un autre, donc avec des encadrants qui n'ont pas le même statut, qui n'ont pas les mêmes horaires. Donc voilà, vous connaissez tous le problème. Du coup, ma question était vraiment sur les autres pays. Est-ce qu'ils ont ce temps saucissonné de cette façon-là? Est-ce qu'ils sont institutionnalisés avec des statuts différents et donc pas forcément une collaboration simple? Voilà, comment ça se passe sur l'organisation, le partage du temps avec l'enfant au centre de cette journée? Alors, je ne peux pas vous dire dans tout le monde, mais les quelques endroits où je suis allée, je n'ai pas l'impression qu'il y ait ce saucissonnage. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des périscolaires, scolaires qui alternent, etc., avec un peu de déjeuner. C'est plus simple, en gros. Quand ils sont à l'école, et en l'occurrence, dans l'école en forêt, il n'y a même pas de récré, en fait, parce que comme le temps est plus libre, ils ne sont pas assis et après ils sont libres. Donc les activités s'étalent dans le temps. Après, il y a les éducateurs qui vont proposer des choses et ils suivent aussi un programme. Mais il n'y a pas ce. Je pense que c'est beaucoup plus. Ouais, c'est moins compliqué à mettre en place que là, toute cette coordination qu'il faut pour que les animateurs qui dépendent de la mairie, les enseignants qui dépendent de l'éducation nationale, etc., se coordonnent. Enfin, d'après les exemples que j'ai vus, moi, ce n'était pas le cas, et dans mes lectures non plus, je ne sais pas ce que. Malheureusement, dans les pays anglo-saxons, oui, en fait, les familles ne bénéficient pas de la prise en charge de ces différents temps, notamment sur le temps périscolaire. Et donc, quelque part, il y a des acteurs qui sont plus privés, qui vont intervenir, qui seront pour le coup formés, mais qui ne proposeront des activités accessibles qu'à une certaine catégorie de familles qui peuvent se le permettre. Donc nous, les acteurs sur le périscolaire qu'on a vu, que ce soit en Angleterre et a fortiori aux États-Unis, intervenaient en lien avec des écoles, mais donc il y avait quelque part un travail pour faire en sorte que sur certaines écoles, il y ait une continuité entre le temps scolaire et périscolaire, mais il n'y avait pas en fait de saucissonnage du planning systématique comme ça, c'était de façon plus ponctuelle, étant en raison d'une fois par semaine, et absolument pas trois fois par jour, comme ça il y a un passage de relais. Ouais. Et par exemple au Danemark, ils vont avoir des horaires variés en fonction des écoles, et ça peut être ils vont venir à la garderie à 7h30 en fonction des familles, ou rester plus tard, mais ça reste dans le cadre de l'école avec les mêmes personnes, c'est pas... ils vont faire un roulement entre les enseignants, mais ça va pas être des personnes qui dépendent, qui ont un autre statut, qui ont un autre... Oui, ou des écoles vont effectivement demander à une association de venir d'une part former les enseignants et d'autre part de prendre en charge ces temps périscolaires en dehors du temps de l'école. Et ça, effectivement, on le voit. Et on le voit d'ailleurs, enfin, petite parenthèse, aux États-Unis, il y a un grand courant, en fait, Tim Bernock, qui fait ce genre de choses, qui propose des activités extrascolaires, périscolaires, et qui va former en fait, des enseignants. Et en fait, derrière cette organisation, on trouve non pas des éducateurs ni des enseignants, mais des psychomotriciens, qui se sont dit qu'en fait, c'était par ces activités extérieures qu'ils pouvaient en fait, le mieux possible œuvrer et contribuer à rendre les enfants mieux en santé. C'est drôle de les revoir, de retourner à l'école en sachant quel est leur background, leur formation initiale.